Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc je vous rappelle que la vidéo que vous allez voir ici, elle a été enregistrée le vendredi, donc vendredi soir. Du coup, c'est possible que la petite structure ait changé, donc en petit time frame, mais pour la grande, je pense que ça devrait aller. S'il y a vraiment un gros changement sur la structure, je vous tiendrai au courant. Je ferai une mise à jour, mais ça m'étonnerait. Pour le moment, tout se passe plutôt très bien, tout se passe comme prévu avec peu de surprises. Donc, avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Car oui, je fais des lives quasiment tous les jours, le soir à partir de 1h et les mercredis. À 18h pour le moment et plus tard je passerai je pense à 20h. Voilà, donc sans plus tarder on va attaquer la vidéo, let's go. Ok, allons-y. Donc AutoCAD comme toujours, alors AutoCAD n'a pas validé le running en interne, il a décidé de valider directement la grosse structure. Moi j'ai pu le sort le petit dessin. Donc on a dit que ce mouvement il est en été dans une correction pour une continuation. On pouvait avoir un petit running ici en interne pour un dernier plus haut avant le drop. On va privilégier plutôt la vente. La raison c'est ça. Alors pour dire la vérité, j'aime pas trop ce qu'il a fait depuis là, ici dans cette zone. J'ai beaucoup trop de mouvements agressifs. J'aime pas ça, même si on connaissait la direction. Ça me fait penser un peu à EuroGBP quand il a fait le drop. On connaissait la direction, on a anticipé la direction, genre des semaines, peut-être des mois à l'avance. Mais c'était pas évident à prendre parce qu'on avait beaucoup trop de mouvements agressifs. Bon, on continue à suivre la grande structure. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a de moins en moins de chances pour ce gros running. D'accord, c'est pas impossible, mais il y a de moins en moins de chances. Continue à chercher des sell setup parce qu'on est en train d'entamer une grosse correction. Et on peut pas savoir combien de temps on va rester dans cette correction. Donc on peut rester dedans longtemps avant la continuation vers le haut. Donc on va entamer, je pense, une tendance baissière s'il invalide le running flat. On continue à chercher de la vente sur celui-là. Lui, le mouvement tel quel... Alors on va pêcher les flèches. C'est là. Hop. Donc le mouvement tel quel est plutôt correctif. Donc de base, on cherchait la cassure de stop. Et ensuite... il viendra casser ce bas là. Ok, c'est ce qu'on veut. C'est toujours le cas. D'accord, tant que ce bas n'est pas cassé, ce que je veux, c'est la casseur du top et ensuite la casseur du bas. Si il vient casser le bas directement, on ira chercher un running comme on l'a eu sur les autres paires O2. Donc, s'il vient casser stop, on ira chercher un drop et ensuite une continuation vers l'eau pour un simple régular et un simple régular en interne aussi. Par contre, s'il vient casser ce bas-là, on ira chercher un running et ensuite un drop pour un running ici et un plus gros régular après. Et donc, ça ne change pas la direction. Ça, on ne change pas la direction. Lui, pareil. Donc, alors, ce mouvement-là, si c'est un running, on veut qu'il vienne casser ce top. Alors, il a donné ça comme structure en interne. Donc, je crois que c'est un running flat. Donc faites attention, il peut chuter encore une fois et redonner encore un autre push. Enfin, pour moi, le mouvement, il est correctif. Donc faites attention à chaque nouveau plus haut. Aude NZD, ok, on reste à l'écart de celui-là parce qu'il n'a pas donné le running encore. Lui, on cherche des sell setup, mais on peut avoir encore un push là-dedans. Là. Cassure du top, tant que ce top n'est pas cassé, je vais chercher des sell setup. 4CHF, alors 4CHF, ok, donc là on a un mouvement agressif vers le bas et un autre vers le haut. On a besoin au moins d'un mouvement correctif pour nous annoncer la direction. Donc là, c'était pour de l'achat, buy, mais casseur du top, fallait faire attention. Parce que tout ça, ça peut être un A, et c'est toujours le cas. Ça, ça peut être un B en cours, un C. Le B peut être plus complexe, donc tant que ce top n'est pas cassé, si on le voit corrigé, on va pour un B complexe. Donc pour une plus grosse structure corrective. Avant la continuation. Ok, je rappelle la structure long terme. Je crois que je devais faire une analyse long terme d'ailleurs. Bah tiens, on va en profiter pour analyser le long terme.
j'avais promis de faire ça. Donc, long terme sur le haut de CAD, c'est casseur du top. Ok, on veut la casseur du top. Donc, bien sûr, si on le voit corriger, on aura une plus grosse structure corrective avant la casseur du top. Mais pour le moment, ce qu'on veut, c'est une correction là. Voilà pourquoi je vous ai dit, on va rentrer dans une phase corrective. On verra si ça va être un flag ou une correction en daily. Et si c'est le cas, ça sera casseur du top. Donc, le même objectif annoncé, pour info, quand on l'a annoncé quand on était là. On a dit drop. Casseur du bas, on cherche de l'achat. Donc, il fait que valider ce qu'on a vu, mais là, pour la suite, donc, on est dans l'achat depuis le bas. Pour la suite, maintenant, il faut être vigilant pour l'achat et attendre une correction. OCHF, long terme, c'est de l'achat aussi. Par contre, on va cacher tout ça. Par contre, la même chose, j'ai besoin d'une correction. La bonne nouvelle, c'est que ce mouvement-là, c'est un flag daily, je dirais. Donc, du coup, c'est une continuation vers le haut, mais daily. Moi, ce que je veux, c'est une structure corrective ou une correction weekly. Ok, donc, mais c'est toujours de l'achat qu'on cherche sur le... J'ai encore la flèche. Non, je l'ai enlevé. C'est toujours de l'achat qu'on cherche sur le OCHF. Aude JPY. Donc, Aude JPY, attention au running ici. Si c'est un running, on aura encore un autre plus bas avant le retournement. Alors, j'ai regardé si... ouais, c'est ça. Donc, on peut avoir un running ici. Donc, faites bien attention à ça. Drop. Et ensuite, le retournement, si on doit avoir un retournement. Est-ce qu'on est en train d'avoir un setup de retournement? Non. On l'a déjà vu. Ce mouvement, pour le moment, ici, il est correctif. Il peut redonner un push. Enfin, mais on doit faire attention au running. ODNZD. Donc, ODNZD, on peut revenir en weekly parce que c'est la même analyse depuis, depuis longtemps. Je crois que je dois avoir la flèche. Je dois avoir... On l'a encore. Donc, on a dit, s'il vient casser ce bas, on cherche de l'achat pour un running. On est dans ce running. Donc, une fois... Le C terminé. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre. AUD/USD. Alors, AUD/USD. AUD/USD, il peut monter, venir, casser ce top encore une fois. Enfin, je pense pas, mais c'est possible par rapport à la structure. Je pense qu'on est en train d'entamer une nouvelle correction. Donc ça, c'est potentiellement un A. On peut avoir un B ici. On peut avoir encore un autre up pour un C. Et ensuite, un drop. Ok, pour le plus gros mouvement. Voir le passé, j'ai pas eu le temps de regarder le passé encore, mais au pire, si la structure, si mon forecast change par quand je verrai le passé, je vous tiendrai au courant. Mais minimum, ça d'accord, au minimum, ça, et ensuite un nouveau plus bas. Donc, est-ce que j'ai retournement? Non, pas 4 heures, peut-être ici. Ok, on a besoin d'une correction. Donc, c'est pour cette raison qu'on cherche des sell setup sur AUD/USD aussi, parce qu'on a besoin d'une structure corrective. L'idéal, plus grande que ça. D'accord. Donc, il peut donner ça, donc un nouveau plus bas, et ensuite donner un autre, un dernier plus haut. D'accord, dernier plus haut. Et ensuite, entamer la grosse correction. Donc, on cherche de la vente au minimum jusqu'à ce bas-là, sur AUD/USD. Hop, maintenant qu'on a fait l'euro. Move, on va chercher, donc on fait le petit comme je vous ai dit. D'accord, c'est toujours ça, sauf qu'on peut avoir un dernier push avant le drop. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat pour la correction. 4CHF, donc c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. On attend un B si, pour savoir la direction. Par contre, long terme, weekly plutôt. Voilà, c'est cette grosse flèche ici. Donc on est sur un all-time low sur le 4CHF. Du coup, on privilégie plutôt de l'achat au minimum pour une grosse structure corrective s'il doit continuer à chuter dans les prochaines années. Donc là, on est en train de parler, dans la majorité qu'on a vu en weekly, monthly, on est en train de parler de scénarios qu'on ne verra pas terminer avant peut-être, je sais pas, peut-être 2, 3, 5, plus 6 ans. Donc il y a le temps. Mais déjà, avoir la direction pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est bien parce qu'on est tranquille sur la petite time frame. Quand on n'investit pas dans ce genre de structure, on est en train de trade à l'intérieur. Donc, on privilégie l'achat ici, comme on l'avait annoncé d'ailleurs tout en bas. Donc, si vous avez une correction là-dedans, continuez à chercher de l'achat. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de caché là-dedans? Potentiellement un running. Donc, on fait attention à ça. Est-ce qu'il peut venir casser ce bas encore une fois avant de monter? Oui.
à cause de ce up là. Là, on a eu un A. On peut avoir ici un A, B, C ici. Pour un régular, ça. Et ensuite un A, B, C ici pour un running ici. A, B, C. Si c'est le cas, il ne donnera pas de flag en interne. On aura encore un autre push. Et à la cassure du bas, on recherche de l'achat. Parce que si on regarde bien, de toute façon, vous ne serez pas le seul hein, à chaque fois qu'il y a un drop. Chercher de l'achat. Donc à chaque fois qu'on a une cassure, vous avez le retournement d'air. Cassure, vous avez un retournement d'air au moins correctif. Cassure, vous avez un retournement d'air. Donc on profite de ça. Pourquoi? Parce que l'objectif, plus tard, même si c'est un running, c'est d'obtenir une structure corrective, une grande structure corrective, beaucoup plus grande que ça. Okay? Donc la question c'est, est-ce que c'est le running et du coup on l'aura après? Ou est-ce que là, on n'a pas de running, c'est une structure interne et ça, c'est la correction et ça, c'est le dernier plus bas. Si c'est le cas, la grosse structure corrective, bah, on est en train de la commencer. Voilà pourquoi on privilégie les buy setup. Alors ça, long terme, bon, j'ai envie de dire, il paraît que c'est la crise économique. Voilà, tu me montres ça, je sais pas. Mais en tout cas... la structure ici, il faudra faire attention. Pourquoi? Parce que le mouvement ne peut pas... Enfin, la structure ne peut pas faire que monter. Sauf si on est sur un gros running là-dedans terminé. Okay? Sauf si le running, il n'était pas en cours. Quand je dis pas en cours, c'est-à-dire ça, c'était pas le A d'un running. Et on est en train d'obtenir un B, C, continuation. Ce qui est encore possible. Mais si tout ça, c'est déjà le running en soi. Alors ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, et ça, c'est mon C. Je ne sais pas si je peux avoir plus de data, il me semble que non. Donc, on est dans une impulsion et non pas dans une structure corrective en quoi. Enfin, donc, tout va dépendre de ce qu'il a fait dans le passé. Je ne sais pas si on a un autre mouvement agressif qui colle à ça ou pas, en fait. Après, il y a toujours ça. Nous, on était parti pour le contracting ici. D'accord? Donc, on surveille. Comment je vais le savoir? Ça va être très simple. C'est le mouvement qui va me donner, là. Enfin, si le move devient correctif, exemple, spike, corrige, drop, il monte ici. Là, les chances d'obtenir le plus grand running plus tard augmentent. Voilà. Mais si le mouvement continue à donner que des buy setup, bon ben, à ce moment-là, c'est validé. On a déjà terminé le running et on n'est pas dans un B d'une correction, mais on est dans une impulsion. Donc, probablement un C. Alors, ensuite, la petite time frame. Donc, ça, ok, ça c'est fait, c'est donné. Et on a besoin d'une autre structure corrective, d'accord? On a besoin d'un mouvement au minimum de cette taille-là, si vous voulez continuer à acheter sur le moyen-long terme, d'accord? Je dis bien moyen-long terme, donc minimum de cette taille. Maintenant, si c'est pour du trading, c'est une autre histoire. Trading, c'est potentiellement le départ d'une structure corrective. Alors, où terminer ici? Comme on avait vu d'ailleurs la semaine dernière, je crois que je vous ai dit à la cassure du top, tant que celui-là n'est pas cassé, chercher de la vente. Donc, où ça y est, c'est validé. Ça a validé ce qu'on a vu. Ou on peut avoir encore un top. Du coup, c'est la même analyse. Donc, s'il vient casser ce top sans venir casser ce bas-là, on peut avoir un drop. D'accord? Donc, en gros, c'est où on est en train de terminer un régular avant la continuation. Ou le régular, il est encore en cours, mais on aura un autre plus haut avant la continuation. Ok, DXY, qu'est-ce qui nous fait ce DXY? Alors, c'est de la vente, les... Ouais, donc c'est toujours la même direction. Là, on est sur potentiellement un régular qu'on veut. Comme ça, pour le A ici, le B là, le C, et ensuite, on ira chercher de l'achat une fois que le drop le plus bas est cassé. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, on peut avoir ce 1, 2, 3... Ça terminer le up et à la cassure du top, vous devez faire attention. Je sais pas ce qui se passe derrière, mais tout ça, ça peut être une structure corrective en gros. De là, il faut voir ce qui se passe derrière, mais on verra. Ça tient sur plusieurs années encore. Donc, on fait déjà ça, cassure du bas, chercher le top, et en plus, ça colle avec ce qu'on voit dans la structure du SDK. Alors, euro, voilà, euro de. C'est toujours de la vente. Ok, donc on est toujours dans le drop. Deux possibilités ici. Il vient casser le bas tout de suite. Et on n'en parle plus. Ou on va entamer une structure corrective beaucoup plus grande. Enfin,
Donc on peut avoir une grosse correction ici, un autre plus haut avant la chute, s'il doit chuter. Est-ce qu'on peut avoir un running ici? Ouais, il y a le running ici aussi qui est possible, là-dedans. Mais si c'est le running, c'est pas terminé. On peut chuter encore avant le... D'accord? Donc c'est toujours de la vente pour le moment. Il n'y a pas de changement sur la structure. Et on vise au mini, enfin on vise au maximum pardon le dernier plus bas ici et au minimum le running que je vous ai montré. Après pour de la petite time frame, le mouvement est plutôt clair je pense. Ici là, ça m'annonce une continuation vers le bas. C'est un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc vous pouvez avoir un drop, hop, ensuite une continuation. Voir ce qu'il fait à l'intérieur, je ne sais pas s'il a validé ou pas le running ou pas encore. Pas encore, il traîne, donc c'est la même direction. Okay, là, il est en train de donner un flag. Là, on a un expanding, il peut, j'espère en tout cas, venir casser, comme ça on se débarrasse de ce mouvement-là. Ensuite, un drop. Ensuite, encore un dernier plus haut, malheureusement. Et ensuite, le gros drop. Enfin, parce que ça, c'est correctif, donc j'irai pour un B, ça c'est un A, ça c'est un C, ça forme le running pour le gros B, ça devient mon A, ça devient mon B, le dernier plus haut pour le C, et enfin, on peut chercher le sell pour la structure daily. Euro CHF, donc Euro CHF, on a dit, attention, on peut avoir un drop, moi je voulais pas qu'il vienne casser ça, je voulais juste un running avant la cassure du top, il est venu casser ce bas là, ça m'embête, parce qu'on peut avoir ça, 1, 2, 3, et ensuite encore un autre push, ce qui fait que on risque encore une continuation vers le bas. Donc faites attention à ça. Ceux qui ont pris le sell du running et ils sont encore dedans, bon bah break even TP parce que vous êtes pas loin du dernier plus bas. Mais pourquoi break even TP? Parce que déjà il y a le running en interne qui est possible, mais aussi ce mouvement là il est correctif. Ça m'annonce une continuation vers le haut. Donc à chaque nouveau plus bas, si vous avez des buy setup, cherchez chercher de l'achat. Alors, minimum pour un running et au mieux, c'est la grosse structure qui sera validée. Euro GBP. Donc, Euro GBP, le mouvement est correctif ici. Je sais, il y en a, ils ont tenté le running et c'est bien. C'est bien, il faut tenter. Donc, bien sûr, il aurait fallu un setup ici, ça aurait été beaucoup mieux. Maintenant, là, ce mouvement, il est correctif encore pour une continuation. Donc, on peut avoir un up ici et ensuite un spike pour donner un running plus tard et encore une continuation de ce qui invaliderait bien sûr le running flat là-dedans. Donc attention pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour avoir un drop là, cassure du bas, pour avoir un buy. Euro JPY. J'ai vu d'ailleurs Euro JPY. Non, j'ai pas regardé long terme. Euro CHF, j'ai regardé long terme. Je me rappelle plus. Non. Euro, du coup, je suis même... Ok, ça, j'ai vu. Long terme sur Euro CHF, c'est plutôt simple. D'accord. Là, il corrige. Ça, c'est un flag pour moi. Donc, c'est une continuation. Mais pour moi, ça, c'est juste un B qu'il est en train de faire. Et on aura encore un autre. On est en train de trade un B. Ça peut être le départ du B. Donc, ça, il peut monter. Ensuite, spike, corriger, chuter, remonter. Et ensuite, donner le C avant de terminer tout ça. Quand on est dans le forex, hein, donc ça peut traîner ici pendant des années. Pour vous donner une idée, s'il fait juste ce que je viens de vous montrer, gardez en tête que de là à là, ça a duré 397 jours. Ce mouvement, pour moi, c'est une impulsion. Et ça, une impulsion. Et ça a duré 728 jours. Alors, imaginez si c'est bien une correction, on est là. Ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Donc, bon, après, on s'en fout combien de temps ça dure, vu que nous, on trade en interne. Ça, on a pris le bas ici, on l'a pris, on l'a annoncé, on l'a pris. S'il monte encore, bah, on prendra. S'il chute, on sera dans ça, on sera dans ça et on sera dans ça, parce que c'est de l'interne. Donc, c'est des milliers de trades en interne. C'est des impulsions et des corrections en interne. Donc, ça ne nous gêne pas, en réalité. Ok, celui-là, toujours la même analyse, ça n'a pas trop changé. Tant que la trend, est-ce que je l'ai encore d'ailleurs? Ok, tant que la trend n'est pas cassée et il n'a pas corrigé en dessous, ou ce bas n'est pas cassé, surtout ce bas, le plus important c'est ce bas-là. Tant que ce bas n'est pas cassé ou on n'a pas une grosse correction ici, il peut revenir casser ce top. Alors, tout ça, ça peut être un régular pour encore un dernier plus haut. Et ensuite, on cherchera de la vente. Donc on surveille ce bas.
point clé, c'est ce bas-là. 4 heures. Ok, ça, on l'a déjà vu. Ensuite, bah, on va commencer direct weekly, après on descend. Bon, ça, ça est, l'analyse est déjà faite, comme ça c'est réglé, c'est la même que ce qu'on a lancé ici. Donc, ou il vient casser stop tout de suite et ensuite il chute. Ou sinon, on va avoir une grosse correction là, un up, un drop, ce qu'il y a là. Et ensuite, il vient casser le top avant de chuter. On aura une structure plus complexe. Mais vu l'agressivité du move, je pense qu'il est bien motivé pour venir terminer le top. Et ensuite, ça. S'il vient casser le top, ça serait plutôt bien. Ça serait parfait. Pourquoi? Parce que bah, on aura terminé une grosse structure weekly. Et c'est jackpot, quoi. Parce que vendre ça, c'est un trade, juste pour info, hein, ça, ce up-là, il a duré... Enfin, ce drop, il a duré... 840 jours. Ce up, il a duré... 500... on va dire 600 jours. Celui-là, il est déjà à 300. Donc, peut-être il va mettre 6 mois, peut-être 400 ou plus. Donc, on aura l'équivalent de downtrend, en fait. Il faut bien s'amuser. Et là, c'est du no-brain. Donc, si tu es dans une downtrend weekly, il n'y a pas de quelle direction prendre et qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois acheter ou vendre? Bon, c'est plutôt clair. Tu cherches de la vente. Terminé. Donc, à chaque correction, tu cherches de la vente. C'est l'avantage, justement, de savoir la direction de la grosse structure. Là, l'analyse, c'est toujours la même. Ok, je la garde, elle est là. Donc, on cherche le C pour ce A. Une fois terminé, le up. Et donc, c'est la même analyse depuis, depuis des années, hein, déjà. Donc, le sel, on est dedans, là. On essaie de prendre à chaque fois qu'on a une correction. Bah, c'est le sel du C. Ok, c'est celui qu'on a annoncé à la cassure du top. Dès que ce top a cassé, on a dit chercher de la vente. Donc, on cherche de la vente ici. Du coup, il n'y a pas besoin de chercher de l'achat, sauf si vous voulez trade en fractal. Et une fois le C terminé, bon, bah, là, on privilégie plutôt l'achat. EURUSD, donc EURUSD long terme, c'est la même chose. Alors, j'ai pas vu du coup le court terme. Pardon. Court terme, ok, petit sell setup en préparation. S'il continue à traîner ici, chercher de la vente. Une fois le bas cassé, attention parce que tant que ce bas-là n'est pas cassé, il peut redonner encore un push. EURUSD. EURUSD, on veut la cassure du top. Une fois la correction terminée, casseur du top. Une fois ce top fini, on vend. On cherche de l'avant. Hein? Pour un simple régulier, un peu comme Euro JPY. C'est ça? Ouais, Euro JPY. Ok, donc on fait attention à la casseur du top sur le long terme. Du coup, c'est toujours de l'achat. Maintenant, pour le court terme, genre daily, je ne pense pas que la structure corrective soit terminée. Ça, ça m'étonnerait que ça soit fini. C'est possible, mais il y a peu de chances. Donc, faut pas s'exciter avec ce up ici, en fait. Faut pas se faire avoir, parce qu'il peut très bien la spike, corriger, drop, monter, chuter, et ensuite terminer le mouvement weekly qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, ne pas se faire avoir par ça. Là, il a cassé la trend, du coup, ça y est. Donc, maintenant que cette trend est cassée, on traite pas la cassure de la trend, bien sûr. Hein. Donc là, à partir de maintenant, chercher des sell setup pour au moins un C. Alors, au cas où ça, c'est un regular flat pour une continuation, on mange au moins un C. Parce qu'on peut pas savoir combien de temps va durer cette correction. Parce que là, il va entamer une correction. Il devrait entamer une correction. GBP Aude. GBP Aude Weekly. Ok, bon bah voilà, GBP Aude Weekly, l'analyse elle est là, je pense que pas besoin de s'attarder dessus. Du coup, on privilégie l'achat, attention ici, on peut avoir potentiellement un running terminé pour de la vente, ou un running en cours, donc il peut très bien la chuter, spike encore une fois avant de drop. Mais dans tous les cas, c'est privilégié de la vente, enfin privilégié de la vente. Donc est-ce que la correction est terminée pour venir casser le bas tout de suite, ou... on va avoir un plus gros move casseur du top avant la casseur du bas. On le verra ça en interne, mais c'est toujours de la vente qu'on privilégie. Alors, c'est elle qui me dit sur CAC 40 chez Index, tu as tout. Ok, bah on verra après. Je ne sais pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, on va regarder un petit time frame. Je ferai une mise à jour de toute façon si
si c'est pas ça. Ok, donc là, ça c'est pour moi une structure corrective. 1, 2, 3, faites attention à ça pour encore un drop, ça et une continuation. Donc s'il donne ça, alors c'est possible qu'il revienne casser stop encore une fois avant le gros drop. Mais vu que on prévisit toujours la grosse structure, à chaque nœud plus haut, tant que ce top n'est pas cassé, charge de la vente et on se protège à la cassure du bas. Ouais, donc c'est toujours la même direction. GBP CAD. Ok, donc GBP CAD, c'est pareil. C'est même. C'est un drop qu'on veut là. Alors, on va descendre en thème. C'est trop bas. Voilà. Donc c'est un drop qu'il est en train de valider. Donc tout se passe plutôt bien. Hop, je remets les dessins là. Ok, donc tout se passe. Alors il n'est pas obligé de casser ce bas parce qu'il a cassé stop. Donc je pense pas qu'il viendra le toucher même, mais on va rester sur la même analyse depuis le départ. Donc ce ABC, terminer ça pour ce ABC, terminer cette structure. Là il est en train de faire ce A, il a déjà fait le B, bizarre le B, mais il a déjà fait le B. Il est en train de faire le C comme prévu. Une fois le C terminé, on va chercher de l'achat. Hein, ce gros A, ce B, ce C. Non. À partir de maintenant, faites attention. Donc, bien joué à ceux qui ont eu le sell. Maintenant, on commence à surveiller parce que le running est pas loin. Ok. Donc, on se protège en attendant. Alors, GBP CHF Weekly. Ok. Donc, GBP CHF Weekly, on doit faire attention à ça. Toujours. Tu vois? Si le cas, on peut avoir un drop avant le retournement, parce qu'on est sur un all-time low encore une fois, il touchera l'all-time low une deuxième fois. Mais ça, on le surveillera là-dedans. Quand on va le surveiller là-dedans, s'il va traîner, comme il l'a fait là. D'ailleurs, ici, je crois qu'on avait dit, il me semble, ouais, la grosse flèche jaune ici. On est au niveau de la trend, donc il faudra qu'il casse ou il corrige au niveau de la trend, même s'il ne la casse pas, au moins il corrige. Et là, on réduit les probabilités du running. Mais tant qu'on n'a pas cassé, corrigé ou corrigé directement là où on est, ah, c'est toujours bon, ah, c'est toujours possible d'avoir le running. D'accord ? Donc on fait attention à ça. Maintenant, petit time frame, on va cacher tout ça. Hop, donc on a dit en petit time frame que le running interne ici, maintenant c'est mort. Et la semaine dernière, on a annoncé de la vente d'ailleurs, même ici du coup. Donc on continue à chercher des sell setup. Faites attention, le mouvement tel quel ici, hein, sauf s'il y a une news GBP, le mouvement là où il est, il m'indique qu'on est dans une fin de structure. Je dis pas fin de structure, ça y est, ça va monter à je sais pas combien. Non, c'est juste qu'il peut spiker ou pour donner un running ici, avant de continuer, ou pour donner une structure un peu plus grande plus tard, d'accord ? Donc faites attention à ça. Donc bien sûr, ça c'est au cas où on n'a pas une grosse news. S'il y a une grosse news, il va spike ici et on sera plus dans une fin de structure. Mais s'il n'y a pas de news GBP, faites gaffe à ce genre de mouvement. Ça m'annonce une fin de structure. Et donc faites attention. GBP JPY. Alors rapidement le weekly. Bah, on attend la cassure du top. Hein. Ou pas. Running, il n'est pas obligé. Enfin, si c'est un running, il n'est pas obligé de casser le top. Avoir encore un drop avant le ok, donc on surveille pareil, on surveille s'il flag là-dedans ou pas. Donc, et tout c'est up ici. De toute façon, GBP ça a été annoncé, donc normalement on a dû manger à l'intérieur. Là, on commence à être dans une période où il va falloir patienter. Ici, rappelez-vous là, qu'on était où. Quand on était ici dans cette zone, je vous ai dit attention, on est potentiellement sur une fin de structure. C'est à peu près le même cas sur GBP CHF. C'est à peu près la même structure. Okay. Donc on peut avoir du coup la même réaction si il n'y a pas de news. Et on attend pour GBP JPY, on attend que ça se développe là. Là pour le moment, j'ai un mouvement agressif de 3 à 4 mouvements agressifs. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin que la structure se stabilise pour connaître la direction. Parce que là, il peut très bien donner ça, ça, ça avant de monter. Ou il peut tout de suite chuter à partir de maintenant. Et vu que je ne sais pas, je ne traite pas. Parce que
prends pas. Donc là, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. J'ai besoin d'attendre. Là, on a pu anticiper chaque mouvement, le drop et le up, parce que c'était clair. Mais quand c'est pas clair, on reste avec un. Ici, ok, voilà, ça c'est plus propre. Moi, pour moi, ça je connais, je comprends, c'est pas étranger pour moi. Donc, long terme, c'est toujours la même direction. Oui, il me semble, je ne sais pas si on en... C'est la même direction, donc on cherche toujours de la vente jusqu'à ce bas-là. Ça peut devenir plus complexe, d'accord? Il peut redonner un dernier plus haut avant la chute, mais ça ne changera pas la direction long terme. Maintenant, sur la petite time frame ici, donc du 4 heures, attention ici, un petit running. Une fois le running obtenu, vous pouvez chercher des setups de vente. Faites attention, en interne, là, vous pouvez avoir encore de la vente ici. Hop. Et ensuite, le running avant. Donc, on attend le C du running, et ensuite, on cherche de la vente. GBP/USD. Donc, GBP/USD. Alors, désolé, la vidéo va être plus longue que prévu aujourd'hui parce qu'on va faire du long terme aussi. Donc, GBP/USD, c'est la même chose. On peut être sur un gros running là-dedans. D'accord? Si c'est un running, on peut avoir encore un autre plus bas avant la continuation. Donc, on surveille s'il nous corrige là-dedans ou pas. Ok? Parce que je ne sais pas si je prends en compte la mèche. Si je prends pas en compte la mèche, il cassera stop. Donc, on attend de voir s'il flag ou pas. Toujours de la vente. Court terme, toujours de la vente. On n'a toujours pas obtenu ce fameux running. Ce A là. Ce B là. Et quelque part, on doit avoir le C. Sauf s'il a déjà fait dans le passé, genre là-dedans. On verra. Ok, donc pour le moment, je continue à chercher ce running là. Ici, petit time frame, on peut avoir un push pour la semaine qui arrive ici. Faites attention à la cassure du top parce que tant que celui-là n'est pas cassé, celle jusqu'à ce bas. Donc ceux qui veulent tenter ce buy, attention au top parce que je pense pas que ça soit suffisant comme drop. NZD CAD, j'ai l'impression qu'il invalide le running. C'est bien lui? Ouais. Il est en train d'invalider le running ici. Ce gros mouvement qu'il est en train de faire, pour moi, il invalide le running. Donc, on va attendre quoi pour la suite? Correction, drop, up, et ensuite une continuation vers le bas. Simplement. Là, il y a peu de chance. Après avoir obtenu ce drop, on va enlever. Après avoir obtenu ce drop, maintenant, les probabilités d'obtenir le running baisse drastiquement. Ok, donc on fait attention à ça. Pour les semaines à venir, on va voir s'il se développe comme je viens de le dire. Si c'est le cas, c'est une continuation vers le bas. Ok, mais ouais, j'aime pas ça. NZD CH, ah oui, j'ai pas vu le long terme. Long terme. Attends, c'est plutôt du weekly. Ouais, weekly. Donc weekly, on a déjà eu ça. 1, 2, 3 ici. Donc, il peut venir corriger, casser, stop. Ou plus grosse structure corrective pour un dernier plus bas encore. Avant de venir casser le top. Pourquoi à la fin, peu importe, on veut qu'il vienne casser le top? Parce que ça, c'est correctif. Une fois ce moment terminé, c'est-à-dire il peut venir casser le top maintenant ou casser le top plus tard. Mais c'est correctif, ça. Maintenant, c'est une continuation. Donc, encore une fois, là, on parle de plusieurs années. NZD CHF running. Ok, NZD c'est plutôt propre running. Une fois que ça c'est terminé, chercher encore un peu plus bas. Là, en interne, correction pour le moment. Ok, ça c'est correctif. Tant qu'il continue à corriger comme ça, c'est encore la cassure du top. 4 heures. Chercher de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, chercher de l'achat. Protection à la cassure du top. Classique. NZDJPY. NZDJPY. Ok, donc NZDJPY, on peut avoir la cassure du top directement. Mais aussi, ce qu'on peut avoir, et là, il faudra faire attention, c'est un gros running là-dedans. Ok, si c'est un running, on va avoir d'abord un drop et ensuite le retournement. Et personnellement, j'irai plutôt pour ça. Hein? Donc, on fait attention à partir de maintenant. Donc, on a dit d'acheter, on était en bas. Donc, à partir de là, bah, on doit rester vigilant. Parce que si c'est un running,
Parce qu'en fait, c'est où le mouvement est déjà fini là-dedans. 1, 2, 3. Dans ce cas-là, on aura une grosse correction qui validera la continuation. Ou ça, c'est de l'interne qu'on a eu et on est en train de faire un gros running. Okay. Donc, dans le doute, on a besoin d'une confirmation. Si on voit exploser vers le bas corrigé, on connaît la direction. Elle est là. Si ça, c'est déjà une structure corrective terminée, dans ce cas-là, il corrigera et on connaît la direction. Comme on l'a eu là, ça, c'est annoncé de l'achat. Ici, c'était en daily de l'achat. Donc, s'il donne une correction, voilà, on part du principe que ça, c'est fini et l'objectif, c'est le dernier pur. C'est pour cette raison que là, on a dit d'acheter. Au minimum pour le running. NZDUSD. Alors, NZDUSD aussi. Running ici. Faire attention à ça ou expanding s'il casse le top pour encore un nouveau plus bas s'il doit continuer à monter. Donc ça, c'est dans le cas où on n'est pas déjà dans ce gros mouvement. Ce gros A, ce gros B, ce gros C. Que si c'est le cas, c'est un gros flag qu'on aura là-dedans pour entamer ça. Alors, faut voir ici, je me rappelle plus ce qui nous a fait ici. Okay. Donc, minimum, ça, on le prend comme un warning. Donc, on le verra sur le développement de la structure. Ce sera clairement pas une surprise vu que c'est un mouvement weekly. Ça va traîner ici pendant des mois. Clairement, des mois, même peut-être un an plus. S'il donne un flag weekly, ça va traîner. Maintenant, si c'est le running que j'ai entouré ici, vous allez voir un spike. Et il va pas trop traîner. Donc, on le verra. Donc, les possibilités, c'est quoi? Ce running-là, flag, casseur du top. Sinon, c'est ce petit running en interne, casseur du bas et ensuite casseur du top. Yes. Ok, bon, lui, voilà, je vais te dire. Donc, lui, c'est clair. Hein? Le running, il a déjà fait. C'est plutôt clair qu'on est dans une impulsion. Je pense que lui, il ne voulait pas débattre là-dessus. Ça, potentiellement, le contracting. Si c'est le contracting, on va avoir un spike, encore une fois, avant la continuation. Par contre, si c'est pas le contracting, mais plutôt le running là-dedans, on n'aura pas de spike. Okay? Il va juste monter. Il va continuer à monter. Donc, on surveillera un petit time frame. Et là, tel quel, il est en train de corriger pour monter. Alors, donc là, vous pouvez avoir encore un drop. Faites attention à la cassure du bas. Peut avoir au moins un dernier push. Donc, protection à la cassure du top. C'est quoi ça? Ok, là, c'est plutôt de l'achat. Donc, s'il continue à traîner là, on cherche des buy setup. C'est quoi le... Ok, même analyse que le DAX. D'accord, c'est exactement la même analyse que le DAX. Faut voir ce qu'il a fait dans le passé, encore une fois, à cause de ce gros move. Personnellement, j'irais plutôt pour un futur running, mais pour ça, j'ai besoin de ça. Donc, on va ignorer la grosse structure et on va se concentrer plutôt sur la petite, mais on doit faire attention à chaque nœud plus haut là-dedans. S'il vient casser ce bas-là et que vous avez des buy setup, pareil qu'il va TP à la cassure du top. USD CAD. Alors, USD CAD, idem. Donc, on va aller faire un tour sur le long terme. Ok. USD CAD à la cassure de ce bas. Donc, l'objectif sera atteint. On a dit de vendre ici. On ira chercher de l'achat ensuite. Ce qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure sur. Je sais pas c'était quoi. Ok, donc on cherche ça. Donc l'objectif, c'est la cassure du bas. Donc c'est le même, je remets la ligne. Elle est là. La flèche, elle est là. USDJPY, donc pareil. USDJPY, l'objectif, il est là. Ici. Buy jusqu'au top et ensuite de la vente jusqu'à ce bas-là. Même s'il donne un régular ici et vient chuter, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours le même. Maintenant, sur la petite time frame, on veut un B. Donc ça, je vous ai dit qu'on était vers la fin et que ça allait se retourner bientôt pour au moins la correction. Donc on veut la correction, drop, on essaiera de choper ça et ensuite on continuera à chercher de l'achat. D'accord? Donc ne pas se faire avoir par ça parce que je pense que c'est le début d'une correction. L'US Oil, alors faites attention ici, donc à la cassure du top.
Tant que le top n'est pas cassé, pardon, c'est toujours de la vente. Là, on est toujours dans cette flèche et on veut ça. Par contre, il y a le potentiel running ici. Ici, tac, et ensuite une continuation. Donc, ceux qui sont dedans et ils sont rentrés sans setup, petit clin d'œil, se reconnaîtra. Peut-être profiter du running ici pour se protéger et sortir du trade. Même s'il coule sans nous, il vaut mieux se protéger et protéger son capital. D'accord ? S'il coule à ce moment-là, on aura un autre setup. On attendra un setup. S'il chute ou monte sans setup, on ne rentre pas dedans. Donc attention au running. D'accord ? Parce que si c'est un running, on peut avoir un up. Mais pareil, tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours la même action. Ensuite, le silver. Silver, s'il traîne, et il est en train de le faire, buy jusqu'au top. L'objectif long terme, c'est toujours le même. Running là, jusqu'au top. Gold. Gold, idem. S'il traîne, attention au top. Mais tout ce mouvement-là peut être correctif. Pareil, peut ramper avant de drop. Mais je garde quand même la structure daily en tête. Ce mouvement-là est malgré tout correctif. Même si je ne l'aime pas pour un up, ce n'est pas suffisant pour un up. Voilà pourquoi, si pour que ça soit bon pour un up, là actuellement, j'ai besoin d'une plus grosse correction et encore un drop. Et là, ce serait bien. Mais le voir monter maintenant, on risque un running plus tard, en fait. C'est ça le problème. Je pense pas qu'on va avoir le up directement jusqu'au top. On verra. On peut tenter les buy setup en interne, mais restez vigilant. Je pense qu'on est toujours dans une structure corrective et on peut encore avoir un nouveau plus bas. Mais là, tel quel, ça m'annonce de l'achat au moins en 4 heures en une. Non, mais c'est du 4 heures. Ensuite, le Bitcoin. Alors, Bitcoin, pas de surprise. La flèche est toujours là. La direction est toujours la même, donc on continue à chercher de l'achat et des setups d'achat, l'objectif il est là-dedans. Même s'il vient donner un nouveau plus bas, sachez que s'il vient casser ce top-là, maintenant il y a peu de chances qu'il vienne donner un nouveau plus bas. En gros, hein, s'il vient casser ce top, et bon, d'ici le temps que je posterai la vidéo, donc demain, parce qu'on est vendredi là, on tourne la vidéo le vendredi. Donc s'il vient casser le top, à partir de ce moment-là, il y a deux possibilités. Bah, il valide le running et je pense que ça va être plutôt ça. Ou sinon, on va entamer une plus grosse structure corrective. En gros, un A ici, un B là, et ensuite un C. Ce qui invaliderait le running. Donc, il y a peu de chance. Mais voilà, l'objectif est toujours le même. On a dit de vendre ici, on l'a eu. On a dit d'acheter, et j'ai insisté, privilégier les buy setup. Même si je sais que certaines chaînes disaient, attention, Bitcoin, c'est fini. On privilégie les buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Ceux qui ont fait ça, normalement, on a mangé un peu. Donc, l'objectif, il est là pour les traders. Parce qu'à la cassure de stop, vous connaissez la chanson maintenant. Break even. Parce qu'on est potentiellement sur une fin de structure daily. D'accord ? À la cassure du top, je le dis, je sais que peut-être qu'il y en a, ils vont être déçus. Mais à la cassure du top, on est potentiellement sur la fin du mouvement. Une fois ça terminé, je ne peux pas savoir où, ça peut être là, ça peut être à 70, 76, 80, peu importe. On entamera une plus grosse correction. Une correction qui, donc si c'est bien le running, sera plus grande que le running. Alors voilà pourquoi, vu qu'on ne sait pas à cause du all-time high, bah on se protège. Okay, donc on ne peut pas dire, donc une fois ce top obtenu, on ne peut pas dire qu'on n'a pas mangé. L'Ethereum, donc l'Ethereum il continue à monter, mais il continuera pas à monter éternellement. Mais le problème c'est que du coup, je pense qu'on a peut-être entamé déjà le running ici. Alors, on a peut-être déjà eu le running. On le garde quand même en tête celui-là. Alors, ce n'est toujours, c'est pas impossible, c'est toujours possible. Mais pour le court terme, ceux qui sont dedans, je vais le dire maintenant, mais je pense que d'ici le temps que je poste la vidéo, ça sera déjà trop tard. Attention, on est sur une fin de structure. Bon, après, on est vendredi, donc je vais faire un live tout à l'heure. Ceux qui me suivent en live, ils vont le voir. Mais attention, ça m'annonce une fin de structure. Donc, on risque d'avoir un drop. Le problème, c'est que à part s'il n'a pas encore validé le running, mais là, ça peut être déjà le running. Donc, à chaque nouveau plus haut ici, on risque une explosion vers le bas. Je ne dis pas un spike qui va faire chuter l'Ethereum à zéro. Hein.
mais au moins une grosse correction, d'accord? Au moins un truc de cette amplitude, ou peut-être plus. Mais à chaque nœud plus haut, vous risquez un spike vers le bas. D'accord? Pour peut-être une grosse correction, ou peut-être le running qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà pourquoi, si vous êtes dans le trade, montez vos break-even à chaque nouveau plus haut. Comme ça, si il chute, vous sortirez avec le minimum de perte possible. Alors faites attention, ce mouvement, je le répète, sauf s'il y a un gros pump vers le haut sur l'Ethereum, ça m'annonce un retournement vers le bas comme ça. Ada. Ada, il a l'air de valider le running. Ok, donc c'est la même analyse qu'on a vue jeudi. Jeudi ? Ouais, jeudi. Donc si c'est un running, il viendra casser stop directement. Très simple. Par contre, s'il traîne un peu trop là-dedans, on ira sur le deuxième scénario. Toujours pour la cassure du top, mais qui mettra un peu plus longtemps. Ok ? Donc pour le moment, on va chercher le running. Ça et ça, on le verra pendant le... XTZ. Ok, XTZ, il n'a pas cassé ce bas. Donc là, il y a deux possibilités. Contracting flat, si c'est le contracting, j'aurai un autre setup d'entrée ici en interne. Ou future running. Dans ce cas-là, je verrai un spike vers le bas. Grosse impulsion vers le bas. Si vous voyez une grosse impulsion vers le bas, préparez-vous à un running tant que ce bas-là n'est pas cassé. Pour un up encore. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Correction, c'est un contracting. Spike vers le bas, c'est une continuation vers le haut. J'espère le running personnellement. Le dot, c'est la même analyse, d'accord? Mais le dot, là, il corrige, donc du coup, potentiellement le contracting, ce qu'il a déjà fait. C'est le dot. Ouais, ce qu'il a peut-être déjà fait là, hein, donc c'est pas impossible. Hein. On surveille, c'est du 1 heure, ouais. On va surveiller si spike ou pas, si on a ça en tente. Mais long terme, c'est la même analyse. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le long terme ici aussi. Lui, il a validé le running, du coup. Ça, ouais. Il a validé le running. Si vous voyez un flag, tentez jusqu'au top. Par contre, protection à chaque nœud plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a déjà atteint cet objectif. Le deuxième objectif, il est là-dedans. C'est celui-là. Je répète les scénarios. Il peut chuter ici, donner un running là, monter, et ensuite chuter encore une fois, et ensuite... continue à monter pour un plus gros running. L'autre possibilité, c'est qu'il vient casser ce bas là et ensuite il monte. Je mets l'autre scénario en rouge. Donc il peut chuter là, monter, drop encore une fois et continuer son up pour un plus gros running. Ok, s'il monte là maintenant, il y a toujours la possibilité du contracting. C'est pour ça que je vous ai dit l'objectif il est là. Ça, c'est pour les traders, les investisseurs. Ou trader moyen en terme, vous devez attendre ou le running ici en interne, minimum, ou le plus gros, pour que ça soit intéressant. Plus c'est une structure supérieure, et plus le trading est plus long terme. Plus vous prenez en interne, et plus il va falloir rester devant la structure et très peu dormir. Alors, une heure, ok, petit bas ici. De toute façon, la majorité des structures ont validé ce qu'on a vu pendant le live là d'hier. Mais attention, il peut chuter encore une fois pour donner ce A, B, C avant de monter. Alors, faut pas se faire avoir par ça. Il a validé le running qu'on avait vu ici. Impulsion, setup, up, il a donné un deuxième ici. Mais faites attention à ça. S'il donne ça, c'est encore mieux pour le up. Lit propre. Donc celui-là aussi, on l'a vu pendant le live. On a dit à la cassure du bas, chercher de l'achat. L'objectif est toujours au top pour les traders. Pour les investisseurs, c'est le même qu'on voit depuis des semaines maintenant. Mais bien joué à ceux qui l'ont. Je sais que dans le live, il y en a qui ont tenté celui-là. Celui-là. Ok, donc attention au top. Qu'est-ce qu'on a? Alice. Ok, Alice, est-ce qu'il va continuer à monter? Donc on est toujours... Le running est toujours possible. Je répète, le running est toujours possible. Dans ce cas-là, il peut spike vers le bas avant de monter. Mais si vous avez des buy setup, vous continuez à tenter les buy stop. Moi, personnellement, j'ai pris en bas parce que j'ai acheté Alice. Donc j'ai acheté du Alice, c'est pas du futur. Et si je veux racheter ou si je veux trade des futurs, j'ai besoin de ça. Il n'y a que ça qui pourrait invalider le running. Sinon, ou la cassure du top. Non, mais s'il n'y a ni l'un ni l'autre, je continue à chercher la même direction. C'est à peu près pareil que le Bitcoin en gros. Mais
à l'envers. Alors, ensuite, Polka Starter, bien joué. Voilà, je pense que ça a bien payé. Donc, on avait dit de chercher de l'achat quand on était dans cette zone. Donc, on a acheté dans les 2 dollars. Bon, on est bien en profit, bientôt doublé déjà l'investissement. Il a donné un petit setup ici, propre, pour ceux qui voulaient re-rentrer. Donc, on met les break-even et on profite. Et on surveille s'il donne plus grosse correction pour une continuation vers le haut. Ou si tout ça, c'est un mouvement correctif pour encore plus bas. S'il donne un plus bas, personnellement, je vais racheter du Polka Starter. Parce que j'ai une utilité pour le coin derrière et je sais que l'objectif, il est là-dedans, en fait. Et tout en haut. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.